Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul printanier. Les beaux jours arrivent et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager mes trouvailles. En plus de ça, c'est une très bonne raison pour changer sa garde-robe, n'est-ce pas les filles? Donc, et aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis partie à Paris en fait récemment, donc la semaine dernière, pour la masterclass de Salima. C'était vraiment, vraiment top. J'ai adoré. Et du coup, j'en ai profité pour faire un petit peu les magasins et surtout, j'ai craqué à Primark. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment des pièces super sympas. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais également vous montrer, vous présenter mes dernières trouvailles chez Bouvou. Franchement, j'ai déniché des trucs super sympas pour le printemps-été. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. C'est parti! Alors, pour commencer, j'ai trouvé cette magnifique veste sur le site Bouvou en rouge. En fait, c'est une veste avec l'effet cape. Et moi, en général, j'aime vraiment beaucoup ce genre de coupe. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouvais top pour ce printemps. La couleur est magnifique. La coupe est vraiment top. La matière aussi. Donc, de toute façon, je pense que vous voyez bien. Et je vais essayer de vous faire les essais. Comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Donc, je l'ai commandé en taille 36. Et sinon, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une très très belle pièce pour ce printemps. Donc, j'aime vraiment beaucoup la coupe. Voilà pour ce blazer ou cette veste en fait avec un effet cape. Et toujours chez Bouvou, je suis restée dans l'estival avec cette jolie combinaison qui se présente comme ceci. J'ai un énorme coup de cœur. Franchement, je la trouve sublime. Je l'ai commandée en taille M, elle taille parfaite. Il faut savoir que je suis petite de taille, mais ça me va parfaitement. Il n'y a rien à dire. Donc, je n'ai pas pris en fait dans la catégorie petite, mais ça me va parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment le genre de pièce qui est à la fois chic, classe et hyper, hyper confortable. La matière est très fluide, très agréable pour cet été et ce printemps. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est avec un col V comme ça, avec un effet portefeuille comme ça. C'est très joli. Ensuite, pour rester dans le même style, j'ai trouvé cette robe qui se présente comme ceci. C'est une robe portefeuille à motif fleuri. Donc c'est super sympa pour le printemps-été. Voilà, elle est comme ceci. C'est une robe en fait mi-longue. Et en plus, j'ai pas vraiment ce genre de pièce en fait dans ma garde-robe avec en fait un effet portefeuille. Et je trouve ça vraiment très chic, très joli et surtout très très confortable. Donc voilà, je l'ai commandé en taille M, sa taille parfaite. Voilà, pour ça, j'ai rien à rajouter. C'est vraiment une pièce super sympa avec à porter en fait avec des sandales et tout. C'est super sympa pour ce printemps. Voilà pour ça. On poursuit cette fois-ci avec les pantalons. Donc, je me suis pris une jupe culotte qui se présente comme ceci en kaki plissé. J'ai adoré. Franchement, c'est le genre de pièce que sur les autres, je trouve ça canon. Et par contre, sur moi, c'est un petit peu compliqué parce que je suis petite. Et avec ce genre de pièce, il faut vraiment faire très attention. Et surtout, il faut impérativement porter des talons. Donc voilà, c'est ce que je compte faire. De toute façon, en général, je porte tout le temps les talons parce que je suis petite. Donc voilà pour cette jupe culotte comme ça. J'aime vraiment beaucoup le détail plissé comme ça. La couleur est magnifique. Donc, je sais déjà avec quoi la porter. Franchement, c'est une pièce aussi que j'aime beaucoup. Je l'ai commandée en taille 36. Donc voilà pour ce pantalon, cette jupe culotte. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris aussi un autre pantalon, mais cette fois-ci, c'est le fameux pantalon qui est très tendance. Le pantalon hyper large, rayé noir et blanc. Donc, il se présente comme ça. Ça, par contre, c'est vraiment le coup de cœur. Mais vraiment, vraiment le coup de cœur. Donc, je l'ai commandé aussi en taille 36. Je le trouve sublime. Et je tiens aussi à dire merci à Bouvou parce qu'on a aussi la catégorie, on a une catégorie en fait petite. Et là, j'ai trouvé mon bonheur parce que moi, ce genre de pantalon, c'est juste pas possible. Ça traîne et tout. Alors que là, c'est top, top, top. Donc, ça me va parfaitement. Voilà pour ce pantalon pour le printemps. C'est génial. Vraiment, je suis hyper contente. Donc, je l'ai commandé aussi en taille 36. Et c'est parfait. C'est vraiment le genre de pantalon hyper large. Donc, encore une fois, pour moi qui est petite, je dois impérativement les porter avec des talons. Mais voilà, c'est ce que je compte faire de toute façon. Donc voilà pour ce pantalon. Et là, on va passer en fait aux accessoires. J'ai craqué sur ce petit sac noir avec un effet croco et des détails dorés. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un sac assez simple. Mais actuellement, j'aime vraiment beaucoup porter ce genre de sac petit avec ce genre de format. Donc voilà pour ce petit sac, c'est un sac en fait rigide, donc c'est top, il garde bien sa forme et tout, donc ça c'est génial. Voilà pour ce petit sac et maintenant je vais vous montrer trois paires de sandales. Donc j'ai pris trois paires de sandales. Alors, tout d'abord celle-ci, j'ai adoré la couleur lilas comme ça pour cet été et pour ce printemps, c'est le top.
Donc voilà, la première paire de sandales qui se présente comme ça, avec en fait le détail, le talon est canon. Donc je ne sais pas si... Voilà. Donc je pense que vous voyez bien. Et voilà, sinon j'ai pris ma pointure habituelle, sa taille parfaite, la qualité est vraiment top. Il n'y a rien à dire. En tout cas, en général, moi j'aime beaucoup les chaussures chez Boohoo. Voilà pour cette paire de sandales. La couleur est sublime. Et pour la deuxième paire, j'ai pris pratiquement le même style. Donc ça se présente comme ça, cette fois-ci noir avec des détails en fait transparents comme ça. Je pense que vous voyez bien. Et toujours le même style en fait, le talon carré comme ça. Et c'est super sympa. J'ai pris aussi 36. Donc sa taille parfaite, il n'y a rien à dire. Donc, je les trouve vraiment sublimes. Hop. La qualité est top. Et toujours la protection, donc pour moi à chaque fois je les protège en fait avec ce genre de protection. Donc ça c'est top. Alors pour la dernière paire de sandales, je me suis pris celle-ci. Donc ça se présente comme ça, rouge avec les détails en fait, avec un effet croco rouge et noir. Donc je l'ai trouvé vraiment très original. Et moi en général j'aime bien miser en fait sur les chaussures, avoir vraiment des chaussures un petit peu originales pour rehausser un petit peu la tenue. Et j'aime vraiment beaucoup au pied, elles sont vraiment top. Donc j'ai pris aussi ma pointure habituelle 36 et sinon il n'y a rien à dire, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup en fait ce genre de talon. Voilà pour Boohoo. Ensuite chez Primark, j'ai trouvé ce pantalon à carreaux qui se présente comme ceci. Alors ce n'est pas vraiment mon style habituellement. J'aime pas vraiment porter ce genre de pantalon. Mais quand je l'ai essayé, je l'ai porté, je l'ai trouvé sympa. Et ça change un petit peu. Et surtout c'est très tendance en ce moment avec ce motif à carreaux comme ça en fait, carreaux. Donc je le trouve bien finalement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve bien. Et c'est vraiment le petit détail que je trouvais très joli, c'est la bande qui est sur le côté en fait, qui est dans l'étang un petit peu bleu. À la base je le cherchais, mais avec le détail rouge, et j'ai pas trouvé. Mais quand j'ai trouvé celui-ci en fait, avec le détail bleu, je le trouvais sympa. Donc je l'ai acheté, enfin j'ai pris la taille 36. Et voilà, sinon en fait, pourquoi j'aime pas ce genre de pantalon, c'est parce que en fait, ça fait un petit peu large, mais comme je vous ai dit, je suis un petit peu petite, donc du coup, c'est pas vraiment le genre de pièce qui va me mettre en valeur, mais celui-ci, je le trouvais pas mal. Je me suis pris aussi un autre pantalon, donc qui se présente comme ceci, en rose poudré, donc il se présente comme ça. C'est aussi le genre de pantalon que j'aime pas du tout acheter. Pourquoi? Parce que pareil, c'est aussi l'effet devant là, ça fait un petit peu comme ça bouffant et tout. J'aime vraiment pas en fait cet effet là, mais quand je l'ai essayé celui-ci, je le trouvais pas mal. Donc je l'ai pris aussi en taille 36 et j'aime bien le petit détail nœud comme ça sur le côté. Et c'est vraiment le genre de pantalon, ça fait habiller, mais sur une personne petite de taille, c'est pas vraiment flatteur, ça me met pas en valeur. Donc il faut impérativement que je le porte avec des talons, sinon c'est pas possible. Donc voilà pour ce petit pantalon que j'ai payé 16 €. Donc voilà. Je trouve très joli. La matière est aussi super sympa, très bien coupée. J'ai acheté aussi ce petit haut chez Primark. Donc il se présente comme ceci. C'est un chemisier corail. J'ai beaucoup aimé le petit détail devant. Ça fait très chic, très classe. Et l'effet des manches comme ça. Et la matière est vraiment top. J'aime beaucoup en fait ce genre de pièce chez Primark. Ça coûte pas cher et c'est top pour le printemps-été. Voilà, je l'ai pris en taille 38. Et sinon, je l'ai payé 13 €, je crois. Donc voilà pour ce petit haut. Alors côté accessoire, j'ai craqué sur ce petit sac marron avec les détails dorés. J'ai beaucoup aimé la forme ronde comme ça. Donc voilà, c'est un petit sac assez simple que j'ai payé 12 €. Voilà, et là, à l'intérieur, se présente comme ça. Moi, je le trouvais vraiment trop mignon. Voilà pour ce petit sac. Sinon, c'est tout. En fait, en général, j'aime pas trop en fait les sacs chez Primark, mais plus les pochettes. Et là, en fait, j'ai commandé pas mal sur Internet, donc du coup, voilà. Je me suis calmée. En plus de ça, j'avais pas beaucoup de place, en fait, dans ma valise. Et sinon, j'ai craqué sur des chaussures. Donc, je vais vous montrer aussi les chaussures. Alors, premièrement, j'ai pris cette paire de chaussures et d'escarpins qui se présentent comme ça. On dirait trop, en fait, les Valentino. Elles étaient en promotion. Donc, je les ai payées 3 € au lieu de 12 €, je crois. 19 €. Donc je les ai payés 3 €. Franchement, ça valait le coup. Les finitions et tout, il n'y a rien à dire. Franchement, la qualité est top et très correcte. Donc voilà pour cette paire d'escarpins noirs et avec des détails nude et dorés. Ensuite, je me suis pris également une paire d'escarpins en gris comme ça. Assez simple, c'est un basique en fait dans notre garde-robe. Donc voilà pour cette paire d'escarpins que j'ai payé, je crois, aussi 12 € ou... Ouais, 12 €, je crois. Donc voilà, j'ai pris aussi ma pointure habituelle 36. Je me suis pris également cette paire de sandales plates qui se présente comme ça, en nude rosé.
Vraiment super sympa pour cet été que j'ai payé 6 euros. Et pour finir avec les chaussures, je me suis pris une paire de ballerines comme ceci en nude. Et ça, c'est grâce à Mouna. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'information. C'est une fille formidable. J'ai passé 2 jours avec elle à Paris. Franchement, c'était top. On a fait du shopping, on a mangé, on a rigolé. C'était vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, j'avais partagé tout en fait sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et franchement, ça sauve la vie. Donc, je regrette absolument pas. En plus de ça, ça coûte vraiment pas cher, je les ai payés 4 euros. Ensuite, chez New Look, j'ai trouvé ce petit sac. C'est en fait c'est un sac banane, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est très tendance actuellement. À la base, je le voulais en rouge, mais j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé en fait un rouge. Tant pis, c'est pas grave. Donc, du coup, je l'ai pris en noir. J'ai beaucoup aimé en fait la forme, je le voulais pas trop grand, mais je vais regarder sur internet si je trouve un petit peu dans le même style, mais en rouge. Parce que j'avais vraiment mon idée, je savais avec quoi le porter et tout, mais bon, en noir, c'est pas grave parce que ça va avec tout. Donc, je l'ai payé 15 euros celui-ci. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, 14,99 €. Donc, voilà pour ce petit sac de chez New Look. J'ai pris aussi une paire de lunettes comme ceci, assez simple, chez Primark. J'ai payé 3 euros. Donc, voilà, ça se présente comme ça. C'est assez sympa. Voilà, ça coûte pas très cher, même si moi je suis pas trop lunettes de soleil. Voilà les filles, ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement que ce haul vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous réserve pas mal de surprises prochainement. Donc en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.